ta dernière fierté, l'artiste ? La remise de diplôme de mon fils à la maternelle, parce qu'ils font ça maintenant dans les maternelles. Il passe en CP, et voilà. Ils lui ont remis un petit diplôme, il était fier de lui. Papa, ça fait quelque chose. Hein. Exact. Le dernier rêve que tu as réalisé ? Je dors tellement peu que je rêve plus. Peu. Il rêve, mais c'est l'insomnie. J'essaie de vivre mes rêves. Je fais de la musique avec des gens formidables autour de moi. Bonne réponse. Il est esquivé, mais elle est bonne, celle-ci. La dernière fois que tu as eu le track ? Bah, hier soir, en studio. OK. J'étais avec un claviériste marocain. Mmh. Et franchement, j'étais comme un gamin, quoi, parce que... Il jouait tellement bien. Donc l'envie d'être à la hauteur, que ça marche. L'envie d'être à la hauteur. Ouais. Donc le track avant de rentrer dans la cabine. OK. Ton dernier fou rire, l'artiste. Oui. C'était le dernier match de Paris contre le Bayern. Et oui. Le fou rire, il était au début du match. Et j'ai un pote qui a un accent un peu bien marqué, un accent du bled bien marqué. Et il a fait, bon, maintenant, c'est la concentration. Et à ce moment-là, bah, fou rire et derrière, les larmes. Ton dernier coup de cœur musical. C'est même pas mal, c'est même très bien. Et c'est un artiste qui existe déjà, qui est dans la scène. Et j'aime la direction qu'il a pris dernièrement. Mmh. Et je travaille avec lui en ce moment en studio. Suspense. Nassi. Ah, OK. La dernière fois que tu as refusé des avances, l'artiste. Je dirais pas le pays. Okay. C'était quelque part dans le monde. Je fais un show pour quelqu'un. Et le lendemain, il était tellement content. Il me ramène une Lamborghini. Ah, il me dit, je te la donne. Je lui dis, j'en veux pas. Je peux pas la prendre. Fort, c'est bien ça. Mais voilà, ça arrivait. Purée, oui, non, c'est une bonne anecdote, ça. Je suis content qu'on m'ait proposé ça, mais je suis content d'avoir refusé, parce que, pour un tas de choses. Oui, pour te regarder, pour te dire, voilà, on ne m'achète pas à mon âme. D'ailleurs, tu le dis très bien, j'ai pas vendu un centimètre de mon âme, voilà. Exactement. Elle n'a pas écouté le CD à fond, la petite. Si. Attention, elle est calée sur toutes les phrases, je vous préviens. T'as fait tes devoirs. Ah non, mais je n'ai pas fait devoir, avec plaisir. Dans les devoirs, c'est plus compliqué. La dernière fois que tu as refusé un feat, l'artiste. Waouh, je peux pas dire des trucs comme ça. Ah oui, c'est difficile. C'est une chanteuse à qui j'avais demandé à l'époque, au début de ma carrière, un featuring. Oui. Elle m'a dit non, reviens quand tu seras plus connue. Et elle est venue me demander un featuring et elle l'a pas eu. Ouais, mais là, c'est le revers de la médaille pour le coup. C'est normal. Ça arrive. OK, on n'a pas de nom, on devinera, on cherchera dans l'hebdo de la musique. Ouais.